les membres de la CRIEF, c'est d'abord à vous que je voudrais m'adresser. La responsabilité qui vous incombe, comme vous l'avez noté vous-même, est énorme. C'est vrai, la Guinée nous regarde, le monde nous regarde. Votre rôle est d'autant plus important qu'il s'agit de celui de la justice impartiale, la justice éducative et la justice de l'apprentissage pour tous. La justice de la répression parce qu'il faut punir les fossoyeurs de notre économie. L'éducation parce qu'il faut que tout le monde apprenne que le bien public est un bien commun et que ceux qui en ont la charge doivent en prendre soin correctement et conformément aux lois et principes en vigueur. Et enfin, de ce que vous allez faire, nous devons tous apprendre pour améliorer nos systèmes, améliorer nos approches, améliorer notre éthique, améliorer notre comportement. C'est pourquoi vous êtes extrêmement important. Ce pays est riche. Il a produit l'année dernière 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans la bauxite. Ce pays est riche parce qu'il a fait près de 2 milliards de dollars de recettes. Mais aujourd'hui, il finit de l'année 2021 avec près de 5 000 milliards d'arriérés. Voilà la réalité. Nous devons changer ça. Où est l'argent? Pas dans nos écoles. Où est l'argent? Pas dans nos hôpitaux. Pas chez les plus démunis. Pas dans nos routes. Pas dans nos infrastructures. C'est pourquoi votre rôle est important. C'est que l'argent aille là où il doit aller, au service du peuple de Guinée, au service de la construction de notre nation. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas une nation pauvre. Messieurs, mesdames, je ne peux que vous souhaiter, et souhaiter à nous tous, de nous reprendre, de travailler dans la loyauté pour reconstruire notre pays. C'est possible. Et croyez-moi, c'est très possible. Nous avons passé les 3 premiers mois à essayer de comprendre. Nous n'avons peut-être pas tout compris, mais nous avions compris que vous, la CRIEF, vous deviez être là. D'autres instruments suivront. Les moyens seront mis en place. Nous essaierons de redresser autant que possible, mettre les bases pour que la transition laisse à ce pays ce qu'il lui faut pour avancer. Mais pour cela, il faudra du courage. La CRIEF seule ne peut pas le faire. C'est nous tous, l'ensemble des Guinéens. C'est pourquoi nous devons soutenir la CRIEF. Nous devons soutenir les actes du gouvernement. Et surtout, nous devons travailler. Travailler et travailler. Bonne chance à la CRIEF. Bonne chance à la Guinée. Je vous remercie. J'ai estimé que la machine doit tourner. Le sentier est tellement vaste qu'il faut commencer rapidement. Je veux une justice indépendante, respectueuse des droits humains. Ceci est très important à relever car il permettra d'éviter les dérives et les excès. Mesdames et messieurs, notre pays est au tournant de son histoire. Il faut les actes forts et des actions concrètes pour redorer l'image de la justice. Je vais aussi vous assurer que vous aurez les moyens vous permettant de travailler dignement dans vos fonctions respectives, en tenant compte, bien sûr, des ressources que dispose l'État.